Bonjour à tous et merci de nous suivre pour la toute nouvelle rubrique Le saviez-vous sur Afrique Sport. On commence avec Abby Bey dont la voiture a été volée après un match avec l'OM. L'histoire retiendra que des voleurs ont braqué, volé sa voiture et félicité Abby Bey en même temps après son match avec l'OM. C'est fou, n'est-ce pas? Vous comprendrez mieux au cours de cette vidéo. Mais avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines actualités sportives. Alors, dans ce nouveau numéro de Le Saviez-Vous, certains footballeurs sont la cible de malfaiteurs lors de leur passage dans des clubs, notamment à Paris ou encore à Marseille, où se passe ce carjacking. Nous sommes en mars 2005. L'OM vient de perdre à Saint-Étienne 2-0 lors du match choc en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Sur le chemin du retour, Abby Bey rentre de nuit chez lui. Le défenseur de Marseille est seul dans sa voiture, une Mercedes 500. À un moment donné, il est contraint de s'arrêter. Des poubelles sont en travers de la route. Une fois stoppé, il voit trois malfaiteurs surgir qui lui ont chippé sa voiture, mais n'ont pas oublié, tenez-vous bien, de lui dire qu'il l'avait trouvé bon ce soir-là. Il est clair qu'il l'avait regardé à la télé en sachant qu'ils allaient le braquer deux ou trois heures après. Une mésaventure qui ne l'empêche pas de rester à Marseille jusqu'en 2007 et de devenir capitaine de cette équipe. Voilà tout pour l'anecdote sur Abby Bey, aujourd'hui coach de Red Star et consultant sportif. Mais avant de nous séparer, on vous dira merci d'avoir suivi cette vidéo et de nous dire en commentaire pour la question du jour si Abby Bey aura été un grand et un bon défenseur selon vous. N'hésitez pas à réagir dans la zone commentaire.